Thank you.
Bonjour Joseph. Bonjour André, bonjour Befrovision. Bon, alors, situation exceptionnelle, organisation exceptionnelle. Hein. Bah, je dirais que simplement, le soleil est de la partie, donc c'est formidable. C'est ça déjà le plus gros point. On n'a pas eu de pluie. Et j'espère que bah, pour les prochains épisodes, on aura également du soleil comme aujourd'hui. Bon, effectivement, on a fait un défilé malgré les contraintes. On l'a fait avec les moyens dont on disposait. Et puis je pense que globalement, les gens ont répondu à notre appel. Et puis. Voilà, bon, j'espère que ça plaira à tout le monde. Il y en a eu un peu pour les petits, les grands, les moyens. Enfin, il y en a eu un peu pour tout le monde. Et on a eu la chance d'avoir un groupe de Transformers. Je pense que pour les enfants, c'est extraordinaire. Donc voilà, on a essayé de faire en sorte que bah, la ville retrouve un peu la joie de vivre. Et puis, bah, j'espère qu'on y aura contribué modestement. Alors, les gens se disent, il n'y a pas eu de rondo. Pourquoi ? Bon, on peut leur expliquer pourquoi il n'y a pas eu de rondo, hein ? Alors effectivement, il n'y a pas eu de rondo, mais bon, on avait limité les rassemblements et pas de rondo parce que bah, les contraintes sanitaires nous l'imposaient. Effectivement, on peut le regretter malgré le temps, mais bon, voilà, on a respecté à peu près, je dis bien à peu près, ce que la préfecture nous a demandé pour faire en sorte que, bah, qu'il n'y ait pas de cluster. J'espère qu'on n'en aura pas, parce que là, il y a un peu de monde. Voilà, on a fait un défilé avec les circonstances et les moyens dont on pouvait disposer aujourd'hui. Et je pense que globalement, c'est pas de l'autosatisfaction, mais je suis assez content que les populations aient répondu à l'accueil, à l'attente du conseil municipal. Voilà. Est-ce que toutes les sociétés que nous avons invitées sont venues ? Alors effectivement, les groupes qui viennent beaucoup de Belgique, de Hollande, et puis aussi un Écossais, ont répondu présent. Donc il y a eu deux défections dernière minute qu'on est obligé de remplacer au pied levé, donc avec l'aide de l'agence qui nous aide pour la sélection des groupes. Et puis il y avait trois associations cathésiennes sur les 8 initialement prévues qui ont participé malgré les contraintes qu'on leur imposait. Donc bon voilà, globalement, il y a 17 participants, enfin 17 groupes qui ont participé à ce défilé. Donc, c'est bien. On espère faire beaucoup mieux l'année prochaine, si les conditions sanitaires nous le permettent, ce que je souhaite de tout mon cœur. En tout cas, sans tomber dans l'autosatisfaction, nous avons réussi la chose. Ben, je pense que globalement, on a réussi, malgré les difficultés qu'on a rencontrées pour l'organisation. Parce que, comme je viens de le dire il y a quelques instants, c'est vrai qu'il y a des groupes qui nous ont fait défaut à la dernière minute, pour des raisons tout à fait louables de leur part. Mais voilà, il a fallu au pied levé essayer d'avoir un cortège qui soit relativement dense, homogène, et puis plaisant à la vue de tous. Quoi. Bon, allez, rendez-vous à l'année prochaine. Ben, je l'espère et je le souhaite avec un temps aussi radieux que celui d'aujourd'hui. Bien. Merci, Joseph. Merci à Befrovision.